Depuis plusieurs années, J. K. Rowling, la maman du sorcier anglais le plus célèbre du monde, est au cœur d'un scandale concernant des propos jugés transphobes. Alors que plusieurs voix se font entendre pour la boycotter, l'autrice répond. En 1997 arrivait dans les librairies le premier tome des aventures de Harry Potter. Quatre ans après, le réalisateur Chris Columbus a adapté le roman, et le phénomène Potter est né. Après, sept romans, tous adaptés au cinéma, et même une pièce de théâtre, le phénomène a continué avec le lancement des Animaux Fantastiques, une nouvelle saga autour de ce que l'on appelle le Wizarding World. Bien que le succès de cette nouvelle série de films soit mitigé, l'univers ne cesse de s'agrandir avec la sortie du jeu vidéo Hogwarts Legacy le 10 février 2023. Une sortie attendue par les fans de gaming du Wizarding World, mais teintée de scandale. En effet, un appel au boycott a été lancé envers le jeu. La raison ? Ne pas donner de l'argent à J. K. Rowling, la créatrice de l'univers Harry Potter, accusée de transphobie. Peu importe, je serai morte. Le scandale a commencé en 2020, alors que la pandémie de la Covid-19 était en train de servir, J. K. Rowling a partagé un article sur Twitter. Dans son tweet, l'auteur réagissait au titre de l'article qui se nommait « Créer un monde post-Covid-19 plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles ». Les personnes qui ont leurs règles. Je suis sûr qu'on avait un mot pour désigner ces personnes, avant. Que quelqu'un m'aide. Femme, avait-elle écrit. Une réaction qui a provoqué un tollé, notamment chez les stars membres de la communauté LGBTQ+, comme Sarah Paulson, et même chez les acteurs de la saga Harry Potter, comme Daniel Radcliffe ou Emma Watson, qui s'étaient d'ailleurs retrouvés pour fêter les 20 ans de la saga en 2021, sans l'auteur. J. K. Rowling est depuis souvent attaquée sur sa sortie, et a même déclaré avoir reçu des menaces de mort pour ses propos. En février 2023, lors d'une interview dans le podcast The Witch Trial of J. K. Rowling, le procès en sorcellerie de J. K. Rowling, la maman du célèbre sorcier s'est exprimée sur la polémique et sur l'impact que celle-ci pourrait avoir sur son image et notamment son héritage. Je ne passe pas ma journée à penser à mon héritage et à la trace que je vais laisser. Une réaction qui montre le recul de l'auteur sur cette polémique, sur laquelle elle estime que ses propos ont été profondément incompris, et que la polémique ne l'empêchera pas de continuer à s'exprimer sur différents sujets peu importe les réactions ou bien l'image que cela laissera après sa mort, quelle manière vraiment très pompeuse de vivre sa vie en pensant à la trace que nous laisserons. Peu importe, je serai morte. Je ne suis intéressée que par maintenant. Je m'intéresse uniquement à ce qui est en vie. Une déclaration claire, qui permet à J. K. Rowling d'affirmer sa position à la fois sur son œuvre mais aussi les propos qu'elle a tenus. Une pierre de plus dans l'engrenage de la polémique, qui risque de ne pas s'arrêter, à la fois à cause du jeu vidéo Hogwarts Legacy et la présence d'un personnage transgenre qui fait réagir les internautes en bien et en mal, mais aussi avec les nouvelles déclarations de J. K. Rowling. Comme quoi même chez les sorciers on ne peut pas tout fuir à califourchon sur un balai magique.